Hey, hey, hey. Voilà à quoi ça ressemble quand j'oublie de brancher la manette. Voilà. Bon, juste avant ça, je lance un live en oubliant de remettre le son du jeu. Je m'en sors pas très bien aujourd'hui. En plus, j'ai toujours pas trouvé le pendu dans Ghostwatchers. J'ai décidé de... d'alterner un peu. Et de me remettre un peu sur Ad Infinitum avant de continuer la quête dans Dead Island. Je me sens d'humeur courageuse. Un peu moins quand j'entends ça. Pourquoi je peux monter? Oui. Oups. Dire ce qu'on veut, j'arrivais pas à sauter. Here I am, rocking like a hurricane. Bon, donc, je vais là. Et puis là, si j'avance, il se passe rien. X, ça fait rien. Carré, ça fait rien. Rond, ça m'abaisse. Triangle, ça marche pas. Comment je monte? Commande. Y a pas sauté, hein. Ah, d'accord. Ce bouton-là, ça fait pareil que celui-là. Je vois rien pour interagir. C'est comme pourtant bien là que je suis censée aller. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? En plus, je sais pas aller ailleurs. Et là, partout, il y a des barbelés. Excusez-moi, mais j'ai un problème là. Interagir. S'accroupir, équiper masque à gaz. Tirer. Pose, inventaire. Se déplacer, courir, utiliser lampe ciblée. Courir. Ben ouais, ça marche pas. Il y avait donc un chemin là. Putain, mais je suis un boulet en fait. Mais c'est terrible. L'église s'appelle Notre-Dame. Les anciens ont dû refuser de quitter leur village et ont cherché refuge auprès de la Sainte Vierge. Où était-elle? Et que nous fera-t-elle quand elle découvrira ce que nous avons fait? Et nous? Quel destin nous attend? Le front dévore tout et tout le monde, et nous avons fait de la terre un enfer. Seul le diable entend nos prières. Et ça, giding, 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 giding.
Oh, pardon, je casse l'ambiance. Mais... Oh. Pourquoi tu te rapproches? Oh, tu as bien beaucoup de dents, toi. Non. Putain, j'ai l'impression d'être dans Jurassic World. Au moment où il y a les... Je dirais le Velociraptor, mais non. Ouais, je suis peut-être le Raptor. Qui attaque le... Le T-Rex. Sauf que ce truc est plus malaisant qu'un T-Rex. Mais... Ah non, ce bruit m'horrifie. Il fait assez clair dans ce... Peut-être augmenter un rien, les gamins, pour que vous voyez mieux. Ah non, c'était dans jouabilité, je crois. Gamma... Je vais mettre 6-5. Bon, pour moi, c'est un peu trop clair, hein, mais... Oh, je survivrai. Ouais, donc on était dans une maison. On a été TP dans un monde chelou. Fuck. Des espèces de souvenirs de la guerre mêlés à des monstres. Voilà. J'aime pas ce bruit. Vers les catacombes. Génial. Ça manquait. Tranchée abri, place-toi dans les tranchées abri pour semer l'ennemi. Qu'est-ce que... Je suis pas sûre d'être très contente d'avoir ça en fait. Mais il est où l'ennemi? On est d'accord que là c'est une personne? Est-ce que c'est... C'est une personne qui m'a l'air très grande. C'est une personne? C'est un cadavre? C'est un démon? C'est quoi? Un mélange des trois? Elle est peut-être pas si grand. C'est moi qui étais un peu petite. Richard Michalski Pinsk. 3 du 11-93. C'était 5 jours avant que je naisse. Poste d'écoute. J'ai entendu le français crier des heures durant. Il s'était coincé dans les barbelés après un coup de fusil. Un autre soldat français est sorti et a tenté de l'aider. Le nouveau lieutenant avait des jumelles braquées sur lui. Il nous a donné l'ordre de tirer. Otto a délibérément raté la cible, comme la plupart d'entre nous. Mais le lieutenant l'a remarqué. Il a dit qu'Otto serait le premier à sortir au prochain assaut. Le français n'a pas réussi à libérer son camarade. Il est retourné dans sa tranchée. J'ai entendu longtemps ce pauvre homme pleurer pendant les 3 nuits qui ont suivi.
quand le No Man's Land vous tient entre ses griffes et ne vous lâche plus. C'est un peu beau. Les lampes qui clignotent, j'aime pas ça. Ça, c'est l'air d'être un truc où je peux me planquer. J'imagine que ça veut dire qu'à tout moment, il y a un truc qui va apparaître devant moi, je vais devoir courir en arrière. Et j'ai envie de tousser, là. Je parie qu'il a même pas de poils aux couilles. Attention, il faudrait pas qu'il se salisse les bottes. C'est de moi qui parlais. Est-ce que c'est la même lampe qui clignote que je vois à chaque fois ou est-ce que... Ça a pas l'air. Là il y a la lumière. On aime la lumière ou on aime pas la lumière? Bon. C'est là que je revive si je meurs. Des champs. Et là-bas. C'est un ennemi ou... je sais pas. Ouais, c'était un ennemi. Et il est plus en très bon état. Bon, on va descendre. J'entends des bruits de mastication dégueu. Je crois que je suis pas seule. Parce que là, je suis assez bas pour ne pas cogner ce machin. Ça continue à descendre. Je suis pas sûr que j'ai envie d'y aller. Ça mastique de plus en plus fort. Et moi je sens que je vais crever. Chut. Casse-toi la jambe en silence. Oh, ça va faire du bruit. Ih. Deux, trois. Ils sont trois. Je vais partir par là. C'était mon bureau, ça. Ils vont quand même pas me demander d'envoyer un truc en remorse avec les machins qui sont juste à côté. Ah bah je peux revive ici. J'ai parfois du mal à savoir si je rêve ou si je suis éveillé. Si je suis dans les tranchées ou chez moi, à Berlin. Mère fait tout ce qu'elle peut pour me faire revenir à la maison. Mais je ne veux pas rentrer. C'est vrai qu'on est tellement mieux ici. Il n'y a rien d'écrit, on dirait que l'auteur n'a pas trouvé les mots. J'entends une respiration. Dommage, je sais pas. Ça, c'est un truc que j'avais déjà vu avant de mourir.
Je lui ai parlé, mais je ne sais pas s'il a vraiment compris. Ok, ça c'était les trucs que j'avais avant de mourir. Utiliser pour quitter l'énigme, code Morse. Maintiens la molette sur un chiffre. Mais je n'ai pas le temps de lire. Comment veux-tu que je fasse si je n'ai pas le temps de lire? Attends, refais. Trois. 7. Trois. Bon, je comprends 3, 7. J'ai trouvé un truc que à deux chiffres. Mais j'ai pas compris l'explication. Attends, si j'utilise mon joystick, ça marche pas. Ah. Non. 3. Puis 7. Je comprends rien. Tu as un télégraphe comme ça, c'est pas le tien. Le code Morse, je le connais très bien. Oui, ça fait 37. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, mais je suis conne! Attendez, je crois que je le tiens. Je vais me mettre sur... On voit pas bien. C'est pas bon ça? Attends. Là c'est 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, attends, est-ce que j'ai les... C'est un peu chiant qu'il me laisse pas mes explications, moi. Achète, bon. Sept. Peut-être 73. On arrive à un point où juste je n'ai pas la faute de faire du bruit. Je comprends pas ce que je fais. J'ai mis sur 37 là, est-ce que ça change quelque chose?
Ça s'est fermé. Code Morse. Ouais, ça fait 37. Attends. Ou 2 et 3 longs. 2, 3. Peut-être 27. C'était 27. Oh putain. Je sais pas ce que je fais. Ça y est, je suis en sécurité. Je le dis, le morse, c'est pas mon truc. Route de Berlin. Et c'est censé être notre nouveau lieutenant, ça. Quelqu'un devrait lui passer l'envie de sourire. Après deux semaines passées dans les tranchées, il rigolera plus. Je parais qu'il ira bientôt retrouver sa maman. Probablement dans un cercueil. Doucement, les gars. Laissez-lui au moins une chance. Je sais pas c'est quoi l'essence logique des choses. Berk. J'ai un peu peur de louper des trucs, mais d'un autre côté... Ah. Truc de texture, j'ai peur. D'un autre côté, je trouve que ça a quand même vachement l'air par ici. Marche du suicide, génial. Sympa l'ambiance. Ah. Max Schmidt. T'as une note. Ah Max. Max, toi et moi, un peu comme les autres, on s'est portés volontaires pour défendre la mère patrie. J'ai l'impression que c'était le siècle dernier. Un siècle. Une vie entière loin de la boue, des poux et des rats. Et tu le sais bien, les choses ne vont pas mieux à la maison. Ça fait longtemps qu'on a perdu la guerre. Le nouveau lieutenant était encore en couche-culotte quand on a débarqué sur le front. Et maintenant, voilà qu'il nous dit que si nos rations prennent la flotte, on doit choisir manger des biscottes moisies ou avoir faim. On préfère nous laisser crever plutôt que de capituler. Je supporterai plus très longtemps. Et toi, Herman? Attends, ça a l'air d'être la suite. Et du coup, si là c'est la suite, baisser la tête. Ok. Faut pas que j'aille là sans masque. C'est moi ça?
Julius Hobler, Hanberg. Y'a pas de notes? J'aime pas pour les cris que j'entends. J'aime pas trop ce que je viens de voir non plus. Bah, je crois que c'est trop tard pour l'aider là, non? Ordre. Vol X-345. Vol de reconnaissance classé secret. Contact perdu entre le commandement suprême de l'armée et le front de l'Ouest. Cause non identifiée. Présentez-vous dès le retour de vol de reconnaissance. Forte probabilité que l'ennemi réussisse à infiltrer nos opérations vers Kai. Le contact avec le commandement suprême doit être établi en personne par le pilote via le système téléphonique bunker de commandement. Ne vous fiez à personne. Le Kaiser compte sur vous. Jules Honora, manger. Je crois que c'est ça qui m'a blessé. Ok, et donc je crois que je repars. C'est le cas chez ma papa ou en fait. Ça me paraît bizarre de te faire rebondir le chemin. Hein. Au collier, s'en allait à la guerre. Ouais, non, ça me paraît pas logique. Y a rien qui me demande de revenir en arrière. Et y a pas d'événement qui a l'air de confirmer que je dois y aller. Les crocodiles, les crocodiles, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, non pas non plus. Les crocodiles, les crocodiles, les crocodiles. Les bords du Nil, ils sont partis, non pas non plus. Est-ce que je sais monter? Oui. Est-ce que c'est un intérêt quelconque? Non. C'est quand même un peu bizarre ce truc. Ça ressemble fort à un truc que je pourrais ramasser, mais... Il y a des barbelés chelous. Mais j'ai été par là. Ah non. Oh. Ludwig... L'ange Ambert. Martin Dortmund. Tu peux pas prendre ton masque? À quel moment on se rend compte que je vais dans la direction de la grosse bestiole? Et on se dit que c'est pas une bonne idée. Hop, moi ça.
Oh, on a trouvé Matt Pokora. Bon, à mon avis, j'en ai sûrement loupé. Hein. Baissez la tête. Eh mais... Richard Le Havre, Richard Rossignol, Waterloo. Waterloo? Waterloo, je connaissais, mais. Eric Fockbender, tout comme ça. Carte postale d'Eric. Ma chérie, bientôt nous marcherons de nouveau ensemble, main dans la main, à travers la forêt de Stuntworld. En automne, je serai à nouveau à toi et tu seras mienne. Et Cologne nous aura tous les deux, comme il se doit. J'espère que tu attends ce moment avec autant d'impatience que moi. Je compte les jours. Parfois j'entends flotter la mélodie d'une flûte irlandaise depuis la tranchée française. Alors je pense à toi, et je sais que tout ira bientôt mieux. Embrasse ma maman de ma part. Bien à toi, Eric. Le 9 octobre 1917. Boueuse. Je suis déjà venue ici. René Lovell, Orly. C'est trop calme, j'aime pas ça. Marcel Passman. Un chemin là avec des canettes, Nidra. J'ai envie d'aller dans un Nidra. La mitrailleuse est bloquée sur sa position. Si l'ennemi attaque, tu ne pourras rien faire. Tu aimais tellement leur faire danser le Spandau Ballet. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais bordel, il y a des chemins partout! Le choc de Rosala. Rosala ne tiendra plus très longtemps. Je l'ai vu dans ses yeux quand il s'est faufilé dans l'église après avec notre opérateur de radio. Je crois savoir ce qu'il a vu. C'est lui qui a tiré les obus sur le gaz sur l'église. Maintenant, il tremble tout le temps. Je le vois jouer avec son fusil. Je vais demander un nouveau commandement. De le transférer avant qu'il soit trop tard. Rémi Michaud. Je serais d'avis de descendre après. Je vais d'abord aller voir ce qu'il y avait. Je sais plus. Là, je crois. Voix du héros. Alors, le héros est pas trop rassuré qu'il y a les canettes. Et du sang. Cassé. Ah mais il y a trop de chemin, je sais pas où aller. Vas-y, là je peux casser le truc mais. Ouais, j'ai pas envie d'aller en fait. D'abord retourner voir en bas. Bon, j'ai un peu peur que courir ça attire l'attention, mais pour le moment ça a l'air calme. Éviter de taper dans les canettes. C'était par là je crois. Qui me fait me dire qu'aller dans un hydra c'est mieux, j'en sais rien, hein, mais... Lieutenant frustré. J'ai voulu parler de Rosala, lieutenant. Il m'a crié dessus. Du moins, il a essayé. Pas étonnant que personne ne prenne ce petit morveux au sérieux. Malheureusement, personne n'ira le contredire non plus. Au risque d'être puni pour insubordination. S'il y a bien une chose pour laquelle Von Schmidt est doué... C'est d'aller dire à ses supérieurs à quel point c'est du gâchis de rester dans ses coups. Il passe sa frustration sur nous, parce qu'il sait que cette guerre n'a rien à voir avec ce qu'il a vu dans les livres d'images. Le front est un abattoir, et Rosala sera le prochain à y passer. Ah mais il y a des chemins dans tous les sens, c'est terrible. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais.
J'ai l'impression que j'ai raté plein de trucs. Je peux pas taper une sieste. J'aime pas trop le bruit que j'entends. Richard Rosella. Ah ben. On a retrouvé Rosella. Effectivement, il est pas très bien. Note apte au combat. Il est écrit apte au combat. Par ordre du lieutenant Von Schmidt. Je pense que c'est une manière de sous-entendre que ce n'était pas le cas. Il n'a pas l'air très... Bon. J'étais déjà avec Canet. Je suis pas rassurée quand ça fait ça. J'avais lu ça. Ouais. Il n'y a rien d'autre, ok. Bon, je pense que j'ai trouvé le truc que j'avais. Ok. Pas là, je crois. Pourquoi j'ai une comptine pour enfants en tête, je ne sais pas. Voix du héros. On voit trop de chemin. Il faut des lampes qui clignotent, c'est horrible. Ça va. Ils doivent être à court de vrais hommes. Tout est miniature d'un jour. Lieutenant, plutôt un petit prince qui joue à se déguiser. Ils se foutent vraiment de nous, les hauts gradés. À nous envoyer une lavette comme ça. Putain. À l'école, on savait les traiter, les femmes comme lui. De la noblesse dans les tranchées. Les Riley pouvons être contents. Il nous reste du lien en conserve. Il faut qu'il devienne un grand garçon pour faire plaisir à papa. Compagnie, garde à vous. 27 hommes présents et parés, Air Lieutenant. Tu ne peux pas entrer là. Pourquoi ? Mais des officiers fermés à clé, sais-tu te soustraire à ta responsabilité? Mais oui, mais vos trucs fermés à clé, en vrai, ils sont pas fermés à clé, il y a des chemins. Mais c'est pas grave. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que je peux influencer notre nouveau lieutenant et la chaîne de commandement? Est-ce qu'ils pensent que je pourrais arrêter la guerre à moi tout seul? C'est douloureux à dire. Mais la seule chose que nous avons en commun, c'est notre maudit nom. Mais c'était son père, en fait, le commandant. Enfin, le lieutenant. C'est vrai que Von Schmidt, c'est aussi ses initiales. Ouest, nord, etc. Il y a des chemins partout. Comme si cette horrible guerre ne suffisait pas. Voilà que la malédiction de mon nom m'a suivi de chez nous jusqu'au front. Tout le monde la ressent. Elle glisse le long des tranchées comme un prédateur. Notre nouveau lieutenant est le seul à ne pas la remarquer.
J'imagine que là, c'est à nouveau une fosse pour fermer. On va faire semblant que c'est vraiment fermé. Hop. Et voilà. À un moment donné, je vais me faire niquer, moi. Ceci est des points de respawn. T'es qu'il y a techniquement moyen de mourir. Alors c'est juste pour faire flipper, je sais pas. Y'a rien. Là y'a encore les barbelés chelous. C'est le moins évité du sang. N'entrez pas. Pas trop quand le volume augmente comme ça. Mais d'accord, c'est pas les monstres qui font toc-toc. Je pense que c'est là que ça toque. Non! Alors, ben j'ouvrirai pas. D'abord, aller voir la cuisine. Pas la peine de t'énerver. Si j'ai dit j'ouvre pas, j'ouvre pas. J'avais un chemin à regarder. J'ai pas regardé, je vais d'abord regarder le chemin. Liste de disques, liste de 78 tours, Robert Schumann. Je vais pas essayer de prononcer tout ça. Johannes Brahms, Richard Wagner, Otto Reuter. Ah bref, il y a la musique. Je sais pas si vous oubliez, mais... Non mais je vais pas mettre de la musique alors qu'il y a des ennemis qui se repèrent au son, moi. Plein du docteur. Cher compagnie Führer. Tout comme ça. Nous avons perdu une charrette entière de fournitures médicales. Lieutenant von Schmidt, par pitié, laissez-moi au moins retrouver de la morphine. Nous aurons besoin de toutes les doses possibles. Je voudrais également profiter de cette occasion pour vous informer que j'ai déposé officiellement une plainte contre vous. Votre ordre de cesser de déclarer les soldats inaptes au combat, tel qu'appliqué dans le cas de... L'Unteroffizier Rosala est irresponsable et démoralisant, tant pour les soldats en question que pour leurs camarades. Je vous demanderai également de vous abstenir de m'appeler Dr. Heisenbarth. Me comparer à ce personnage d'une comptine est insultant et c'est déjà devenu une habitude chez certains de vos hommes, à mon grand désarroi et à celui du personnel médical. Mes respects, Dr. Wedenbach. Pas la lourde. Bon, et du coup maintenant je retourne ouvrir. C'est important de d'abord faire le chemin que je suis censé faire, puis revenir en arrière pour repasser par les chemins que j'ai pas pris, pour ensuite revenir sur le chemin principal. Ça fait monter le suspense. Ouh, j'aime pas la cinématique. Non. Enfin, salut. C'était toi, soldat. Près de l'avion. Mes yeux. T'en as plus, c'est ça? Je n'y vois plus rien. Mais... ils ne peuvent plus me tromper. Qui ? Ils nous mentent. Rien de tout ça n'est vrai. Rien ! Ah.
Tu veux que j'en fasse de ce mec? Le commandement suprême de l'armée. Il faut qu'on en informe le commandement suprême. Il faut que le Kaiser sache ce qui se passe ici. T'es dans un lit, moi? La guerre n'est pas terminée. L'ennemi est là. Je peux pas te coucher là-dessus. Mais si je vais te poser là... Il faut que l'on remporte cette guerre, tu m'entends? Pour la patrie et pour nous-mêmes. N'écoute pas les traîtres et les déserteurs. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Donne-moi quelque chose. Mais encore. N'importe quoi. Pour calmer la douleur. Une tarte. Il y a du matériel médical au nord. S'il te plaît. Si je t'assomme, t'auras plus mal. Mon Dieu. Mes yeux. Bon. L'ennemi. Ils étaient dans ma tête. Je les ai vus. C'était eux, l'ennemi. C'était eux. Tu peux me laisser clôturer mon Mais épisode? C'est impossible. Il faut qu'on fasse un rapport. Il faut... Le commandement suprême. Le Kaiser. Ils arrivent. Arrête de parler, je veux clôturer mon épisode. Et Dodo? Non. Non. Il faut qu'on... Le commandement... D'accord, tu vas juste te répéter. Bon. On avance. Je suis juste morte parce que j'ai pris un chemin débile. J'ai failli remourir parce que j'avais repris un chemin débile dans un autre contexte. Hop, je m'attendais pas à ce que ça coupe si vite. Le jeu est toujours sympa. Je suis à rien moins hype par les sentiers de guerre que par la maison. Après, j'imagine qu'on va retourner à la maison à un moment donné parce qu'il y avait encore plein de pièces fermées. Ouais. C'est sympa. Moins transcendant que la première approche, mais sympa quand même. Oh, il est temps que j'aille dormir. N'hésitez pas, comme c'est marqué par là, si vous arrivez un jour jusque-là, à aller jeter un coup d'œil à ma chaîne YouTube, ma chaîne TikTok, qui porte le même nom que ma chaîne Twitch, Phantom Alice. Je joue à plein de genres de jeux. Il y a des jeux d'horreur, il y a des jeux de survie, il y a des jeux de chasse aux fantômes, il y a des... J'ai fait un peu les Sims aussi. Il y a des jeux narratifs. Et il y a plein de trucs. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sur YouTube, il y a les rediffs de tous les jeux auxquels je joue bien rangés dans des petites playlists. Et sur TikTok, il y a tous les jours un extrait qui dure en moyenne 45 secondes. Des moments un peu sympas des jeux auxquels j'ai joué. Voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à me suivre si vous aimez bien le contenu. À laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vais aller me pioter. C'est tout pour moi. Bye bye!